Et re tout le monde, on se retrouve donc pour la suite de notre aventure sur FF14. Donc la dernière fois nous avons réussi à entrer, on va dire, dans les niveaux inférieurs du Labyrinthos. Je cherche mes mots aussi. Et voilà, j'ai réussi à voir tous les vents, donc là pour le moment on est bien. On va s'apprêter sans doute à soit un donjon ou un primo, puisque bon, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, et tout laisse à présager que la route va être difficile pour atteindre Eidolin. Donc on va voir ça. À tous mes enfants. Est-ce que cette zone est grande ? Nope. Et est-ce que ici je peux maintenant prendre le vol? Même pas. C'est de l'arnaque. Alors, c'est pas grave. Avoir le vol sans le vol. Voilà quoi. C'est pas vraiment un vol, hein. Alors. Faut aller là-bas. Alors ensuite.
Bah voilà, donc nouveau donjon. On va lancer le tag. Je vais tout désélectionner. Hop. On va quand même prévoir déjà le truc. Le first time, hein, parce que bon. Hop. 7 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause ici le temps que ça tague et dès que le tag a lancé, ben, je vous reprends. Donc à tout de suite. Et c'est parti, le petit tag s'est lancé. À première vue, c'est magnifique, mais on doit bien douiller. Hétéroscope activé. Allez-y, j'assure vos arrières. Les âmes malfaisantes sont en train de se matérialiser. Alors, on va se concentrer un petit peu. Alors ensuite, ok, tu décides de paquer. Ça fait un petit peu penser à l'anti-tour, un petit peu. Je surveille un petit peu aussi les vies des alliés, on ne sait jamais. Voilà. Alors, encore un pack de mobs. Ça, c'est un petit enquiquineur, on le reconnaît. Hein. Par contre, est-ce qu'ils ont exactement les mêmes techniques que lorsqu'on les affronte en soi? Ok. Ensuite, donc, premier boss, Livia.
Ah oui, clairement. Livia qu'on rencontrait dans A2R. Alors, je sais plus si... Non, c'est bien le c'est au Castrum hein, qu'on l'a rencontré. Par contre, elle a le... J'ai envie de dire qu'elle a le patin de la Castafiori. Ok. Je viens de comprendre. Après le groupe il semble bon quand même. Donc là c'est comme ça. Ça, c'est deux charges au sol. Bon, pour le moment, c'est pas... Premier n'est pas difficile. Hein. Le pattern est assez simple. Mais il faut quand même bien prendre son temps pour bien regarder, quoi. Je vais pas réutiliser Bahamut pour les 2% qui restent. C'est courant éthéré. C'est incroyable quoi. C'est les donjons sont de plus en plus beaux quoi. Il est tellement triste aussi le donjon. Mais chaque donjon a sa propre histoire.
Ok, ce j'aimerais bien looter aussi, c'est du stuff, quoi. Ça, je peux tenter, mais je l'aurai pas. 34, c'est un taux faible, en fait, pour le drop. C'est un petit peu chiant, mais bon. Alors. Ouais, alors lui, normalement, il est très simple. Là, on va dire... Il y en enfer, hein, donc... ouais, il va être beaucoup plus fort, quoi. Alors... Il rigole pas, quoi. Il rigole pas, quoi. Il doit faire très mal aussi, hein, si on se mange une AOE. En fait, le placement peut être fatal. Hein. Alors, ici. Donc là, il va recommencer. Je m'en prends un, c'est tout. Voilà. Bon, j'ai été là où mon champ de vision me disait d'aller. Hein. Donc il va recommencer avec les obus. En fait, comme ça, c'est facile à esquiver. Mais lorsqu'il fait en fait son attaque chargée en ligne droite, c'est un peu plus délicat. Hein. Et voilà. Si je frappe le micro, ça va pas le faire. Rien pour... soit pour le heal ou bien même pour le... pour tout ce qui est mage noire. Mine de rien, on arrive déjà à la fin, quoi. Vous permettez, il y a un coffre à prendre. Surtout voilà que c'est pour une classe voilà que j'ai terminé de monter donc.
Alors, ensuite. On va me faire appel à Ifrit. Âme de Minfilia. Ok, hein, si on va pas vraiment dans le bon sens, ça va pas le faire. Le prochain, ce sera le boss. Mine de rien, voilà, le donjon, il est vraiment incroyable. Hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. Hop. Voilà. Même dans un endroit, admirez ma véritable apparence, gravée dans mon âme depuis toujours. Il veut pas retourner dans sa tour, non? Pas possible. Et les gens qui commencent à combattre sans moi. Alors. Ça c'est quoi? Shiva. Ouais, à mon avis, ouais. On va se cacher quand même. Le rappel, c'est vraiment comme le combat dans la tour. Bon, je pensais pas qu'elle allait faire appel à Shiva. Hein. Moi, j'envoie Titan pour la peine. Mais quand même vénère, hein.
Je pensais que ça allait être l'un en face de l'autre. Enfin, pas dans le sens là, quoi. Oh merde, j'avais pas vu. J'avais pas vu que le heal était décédé. Fort droit, hop. Bah gauche. Ah non. C'est son droit à lui. Alors ensuite, et voilà. Non, vous n'irez pas plus loin. L'espoir, les rêves, le futur, tout ça, ce ne sont que des illusions. Bon, c'était pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Oh, ça, c'est bien. Ok, avec un truc. Ah, bon, en tout cas, voilà, le donjon était vraiment incroyable. Laisse-la. Quoi? Tu viens me donner le coup de grâce? Je préfère encore mourir que d'être témoin de votre résistance pitoyable. Vous me donnez envie de vomir. Dépêche-toi de m'achever. Et n'oublie pas mon âme. Comment connais-tu ce nom? C'était donc toi, Aelpis, avec Emmet Zelk. Incroyable. À cette époque, je faisais le même rêve chaque nuit.
C'était toujours des images hachées, impossible de me rappeler les voix ou les visages de ceux que j'y croisais. Tout ce que je sais, c'est que ça se passait à Elpis, et qu'on m'appelait Hermès. Bien sûr, j'étais persuadé que c'était seulement mon imagination. Cet endroit m'était inconnu, tout comme ce nom qui n'était pas le mien. Et puis, quand j'ai hérité des souvenirs de Fan Daniel en devenant un sien, tout est devenu plus clair. Ce n'était pas un rêve, mais des restes de la mémoire d'Hermès, effacés par sa machine, Kairos. Ce jour-là, elle a réécrit les souvenirs de tous ceux qui étaient présents. Les radiations des terres ont frappé si fort les mémoires que celles-ci ont été comme gravées dans l'âme de chacun. Même purifiées par la mort, ces âmes n'ont ainsi jamais complètement perdu leur souvenir originel. C'est pour ça qu'il me restait des bribes d'Hermès quand j'ai hérité de la sienne. Du coup, je me demande si ce brave Emmett Selke rêve lui aussi de cette époque oubliée, maintenant qu'il a enfin rejoint la mer des étoiles. Le pauvre doit être dépité. Non seulement il n'a pu empêcher l'apocalypse malgré tous ses efforts, mais il a convoité un paradis sans même savoir pourquoi. Quant à moi, ce n'est pas parce que je suis la réincarnation d'Hermès que j'ai relancé l'apocalypse. J'ai mené ma vie comme tout un chacun. J'ai souffert, j'ai perdu espoir, puis j'ai fini par tout abandonner. C'est un illustre empereur et sa patrie puissante qui m'ont ouvert les yeux. Au bout du compte, la mort finit toujours par tout emporter. La vie n'est rien de plus qu'un long voyage vers l'oubli. Dans ces conditions, à quoi bon exister ? Pourquoi passer sa vie à piétiner son prochain, à se battre et à souffrir si tout est vain ? Les hommes s'évertuent à célébrer le miracle de la vie, alors que ce n'est qu'une longue agonie à travers les ténèbres. Des ténèbres que nous répandons nous-mêmes de surcroît. C'est tout simplement pathétique. Puisque c'est comme ça, autant abréger nos souffrances. Même si aucun des stupides humains de cette planète ne veut se rendre à l'évidence, la seule solution, c'est de mettre fin à cette farce ridicule. Et pourtant, même si je sais que c'est la stricte vérité, ces mots ont comme un arrière-goût d'échec. Dès lors, je me demande si j'ai fait fausse route, où est-ce que je me suis trompé ? Qu'est-ce que je voulais vraiment ? Qu'est-ce que j'attendais depuis toujours ? La réponse que j'espérais, au fond de moi, et que je n'ai jamais eue. Qu'est-ce qui te prend de parler avec un mort ? Ce n'est pas ça qui va l'aider à oublier ses regrets. Fan Daniel, quelle chance que tu sois éveillé toi aussi. Ici, tout le monde est plongé dans une profonde léthargie. Un repos servant à purger l'âme de ses souvenirs et de ses pensées. Mais certains sont si préoccupés qu'ils ne parviennent pas à trouver le sommeil. Ils restent là, à contempler le reflet du monde sur la mer des étoiles. Comme
quelqu'un qui aurait vu une ordure se servir de son cadavre, par exemple. Asahi, c'est toi ? Qui vous a permis ces familiarités, comme si nous étions de vieilles connaissances ? Toutes mes excuses, mais je n'ai pas de temps à vous consacrer. Depuis ma mort, je me contrefiche de ce que le monde peut devenir. À la limite, s'il est anéanti en emportant avec lui l'autre crâneuse d'héroïne, tant d'atroces souffrances, ça m'ira bien. Quant au fait que tu te sois approprié mon cadavre, eh bien, je suppose qu'on n'a plus le droit de se plaindre une fois qu'on est passé de l'autre côté. En revanche, que tu aies osé t'en servir pour aborder Son Altesse Zenos et le trahir, ça, je ne te le pardonnerai jamais, tu m'entends ? Jamais ! Tu vas t'endormir ici avec moi bien gentiment. Tes questions resteront sans réponse, et le dénouement de cet apocalypse demeurera pour toujours un mystère pour toi. Et ne crois pas t'en sortir en étant réincarné. Tu vas souffrir, souffrir, et encore souffrir en te torturant l'esprit à perpétuité. T'occuper du reste ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mon seul et unique souhait est la destruction totale. Alors seulement pourrais-je mourir en paix. Au fait, vous pourriez éviter la mer des étoiles quand j'y suis. C'est déjà pas drôle d'être mort. Alors si en plus je dois me coltiner vos têtes d'ahuri... Nous ferons en sorte que cela ne se reproduise plus. Plus tard vous reviendrez, mieux ce sera. Allons-y. Aideline nous attend. Voilà, enfin. Tu as été à Elpis, n'est-ce pas ? C'est donc ici que nos routes se rejoignent enfin. Très bien. Pour commencer, j'aimerais entendre de votre bouche la raison de votre venue. Aideline, pour parer à une nouvelle apocalypse, tu as fait de la Lune une arche. Mais nous, on refuse de fuir.
On veut sauver cette planète et tous ses reflets avec elle. Il n'y a vraiment pas d'autre issue? Effectivement. L'Exode n'est rien de plus qu'un des deux choix qui s'offre à l'humanité. L'alternative consiste à se rendre aux confins de l'univers pour trouver Météion et affronter les partisans de l'anéantissement total. Mais vous devez savoir que le Rentre est intégralement constitué de Dynamis, l'énergie qu'ils contrôlent à leur guise. Dans ce lieu qui n'a pour limite que celle de leurs sentiments, même les plus puissants sorts de magie ne vous suffiront pas pour remporter la victoire. Si vous ne parvenez pas à résister au désespoir, à la souffrance et à la tristesse des astres qui y sont réunis, vous serez purement et simplement anéantis. Aucun problème. Je suis pas du genre à me laisser décourager. Enfin, c'est ce que je croyais autrefois. Ce serait mentir de dire que je me suis jamais sentie abattue au cours de tous nos voyages, ou que je n'ai jamais eu peur. On n'oublie pas des moments aussi marquants, et ils nous rappellent constamment qu'on peut faillir. La fuite serait vraiment notre seule option, alors? Non. C'est justement pour cela que vous avez toujours en vous la possibilité de choisir votre destin. Autrefois, de nombreuses planètes encore plus florissantes qu'Eteris ont tenté de matérialiser le rêve d'un paradis dénué de sentiments négatifs. En essayant d'éliminer la peine, la colère et le désespoir, ou même des concepts tels que la guerre, la destruction et la mort, elles ont échoué. D'après les rapports de Météion, pas une n'a fait exception. On peut donc en conclure que ces aspects sombres font partie intégrante de l'être humain et qu'ils ne disparaîtront jamais. Quel que soit l'idéal auquel on aspire, certains concepts sont immuables par essence. La perfection n'est qu'une utopie. Et c'est ce qui fait que l'homme finit invariablement par perdre espoir. Et pourtant, tant qu'il y a de la vie, votre présence en ce lieu est bien la preuve que vous n'avez jamais abandonné, n'est-ce pas? Ton monde s'est écroulé lorsque tu as pris conscience qu'il n'y avait pas de justice absolue. Et pourtant, tes compagnons t'ont tendu la main. Ta force seule s'est parfois révélée insuffisante pour réaliser tes souhaits. Mais à chaque fois que ton impuissance te tourmentait, ton modèle était là pour t'emmener dans son sillage. Malgré le chagrin de ne pas avoir pu protéger la personne à laquelle tu tenais le plus, tu n'as jamais renié l'amour qui t'habitait, et cela t'a mené à la rencontre d'un espoir nouveau. Quant à toi, tu as souffert de ne pas savoir exprimer l'essence de tes sentiments. Heureusement, ceux qui t'entouraient n'avaient pas besoin de mots pour lire dans ton cœur. La vérité est souvent déformée, parfois oubliée. Même après avoir accepté cet état de fait, tu n'as jamais abandonné ta quête de sagesse dans l'espoir de trouver ce que tu cherchais. La haine a embrasé tes terres et consumé un grand nombre des tiens, mais une lueur d'espérance a surgi des cendres blanches pour révéler un futur couleur azur.
Tu as entrepris l'impossible pour sauver un monde d'une catastrophe sans précédent. Et après avoir convaincu tout un peuple qu'il pouvait se dresser contre son destin, tu as accepté de vivre ta propre aventure. Et toi, bien sûr. Quels que soient les obstacles sur ta route, tu as su les surmonter sans flancher. À ta place, nombreux sont ceux qui auraient depuis longtemps abdiqué. Dans les moments de doute, tu as pensé aux futurs défis qui t'attendaient, à toutes les rencontres qui t'ont fait aimer ce monde. Et cela t'a donné le cœur de continuer. Toujours aller de l'avant, au gré des difficultés, en sachant pertinemment que chacun de vos pas vous rapproche d'une fin inéluctable. C'est ce qui rend les humains uniques, et c'est dans cette force que subsiste votre espoir de vaincre la chantre de l'anéantissement. Mais alors ? Cela veut dire que nous avons encore une chance d'éviter la fin du monde ? Oui. Et vous n'en avez jamais été si proche. Cependant... Envoyer des humains aux confins de l'univers est une opération extrêmement délicate. En cas d'échec, une nouvelle tentative serait impossible. En tant que volonté de la planète, je dois donc vous mettre à l'épreuve. C'est l'unique moyen de m'assurer que tous ensemble, vous saurez vous relever autant de fois qu'il sera nécessaire afin de vaincre un ennemi tout-puissant. Si vous n'êtes pas capable de me battre, il est inutile que vous alliez défier Météion et ses sœurs. Le cas échéant, vous gagnerez la Lune pour vous mettre en quête d'une nouvelle planète où habiter. Sur ce, en garde ! Moi qui me demandais à quelle sauce on allait être mangé. Ce genre d'épreuve, ça me connaît. Je ne m'attendais pas à devoir passer un examen d'entrée. Bon, aucun moyen de tricher. Et c'est pas maintenant qu'on va se défiler. Vous pouvez compter sur mon soutien. J'ignore si je serai à la hauteur, mais je vous promets de donner le meilleur de moi-même. Décidément, vous avez conscience qu'on a affaire à un des plus puissants primordiaux, la volonté même de la planète sur laquelle on se tient. Enfin bon. Je n'ai pas la moindre intention de perdre moi non plus. Il n'y a pas à hésiter. Puisque cette possibilité existe, à nous de la saisir. Pour le futur de la planète et de l'humanité tout entière. Cette fois, tu vas enfin pouvoir répondre à la question cruciale que je t'ai posée à Elpis. Le voyage en valait-il la peine ? Si c'est le cas, prouve-le-moi en remportant la victoire ! Voilà vache. J'ai pas les mots, alors vaincre Aidelin. Le cristal mère.
Bon, bah, on tagne, hein. Instant. Tout ce qu'on aime. Bon, parce qu'on a le temps. Hein, quand même. En tant que volonté de la planète et dernière représentante des anciens, je vais maintenant juger de votre valeur. La vache. En toi, c'est inattendu, hein. Oh, il le t'aime en plus. Alors, l'épée de héros est équipée. Au carrefour du destin, l'humanité doit choisir son futur. C'est parti. Ok, donc c'est quoi cette fois l'arme? Changement de cap. Tout ce que je sais, c'est que là, actuellement, je ne vois que dalle. Radieuse du mage. Ok. Ah ouais. Ok. Je pensais reste, mais non. Mais elle pardonne pas, hein. Alors, Red. Alors, red get in, green get out, blue cross. Ok. Donc, rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur, bleu en grand croix. Mais par contre, quand on voit la couleur. Ah ouais, bleu. Bleu en croix. Ah, donc on peut pas toucher la limite. Ok. L'immuable désespoir au crépuscule de l'existence. Pensez. Au chemin qui vous mènera à travers. En fait, le combat est tellement bien fait, mais il y a toute une strat côte derrière.
Je pensais pas qu'on allait l'affronter tout de suite, hein. Je m'approche pas trop. On va accélérer un petit peu. Ce 84%, ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Allez, on reprend. On essaye de comprendre un peu. Cristallisation. Rouge. Intérieur. Ok. Ouais, luminescence, ça attendra 2 minutes, je préfère me sacrifier. J'aurais pas dû bouger. Par contre, c'est un sacré sac à PV, hein. L'éclat du cristal donne de la force à Aiden. J'avais pas vu que c'était en croix. Oh la vache. Là, ça aurait été, ça aurait quand même mérité un petit contour de mort. Hein. On arrive à 60%, quoi. Vague de lumière. Ça doit être pour tout le monde, ça. J'attends 2 minutes, hein, que voilà, que ça se passe. Ouais. Attendez. Non, non. En 2 minutes. Oui, mais il y a pas d'endroit safe, quoi. J'attends que la vague est partie. Voilà. Cassez-vous. J'ai le temps de rien faire. Je veux juste invoquer, hein. Invoquer, me mettre un petit bouclier.
Hop. J'invoque. Bouclier. Est-ce que je peux taper un petit peu ? Vers extérieur. Non. J'ai pas vu s'il y avait un marqueur. Bleu, ça c'est une croix. Bon, c'est une croix, mais je me prends derrière le marqueur. Ok. Donc là, il y a le full marqueur. Je pense même que Zordiak m'a donné moins de fil à retordre que Idolin. Moi perso, je m'en vais ici. Je vais lancer la raise. Tant que Lily soigne. Autant servir à quelque chose. Par contre, ouais, là je meurs. C'était prévisible. Bleu, c'est la croix, j'ai pas fait gaffe. Il en reste tout le monde, non? Pas encore? Je crois pas que je me suis bien placée.
On va avoir marqueur. Passer comme ça devant le tank, ouais, vaut mieux éviter. Hein. Bah oui, mais tu te mets là où est-ce que je vais? Alors là, on va avoir le draw marqueur. En fait, la seconde phase, c'est que ça, quoi. En croix. Non, pas devant. Ah, je suis prompte. Allez, vite. Ah, je fais de mon mieux, hein, mais bon. C'est juste le système des marqueurs, en fait, qui me pose problème. Je pense peut-être la refaire une seconde fois. Par contre, on enchaîne. Hein. L'humanité est prête. Ouais, bah en tout cas, quoi, GG, hein. Et en fait, ça, c'est le cristal qu'on voit lorsqu'on débute, à 2R. Ok. C'était vraiment pas mal. Bon, j'ai rien foutu de honoration. Ça va. Aideline, ton énergie. En tant que volonté de la planète et gardienne de son futur, j'avais conservé juste assez d'énergie pour mener ce combat à son terme. Soyez tranquille. Vous avez été mise à l'épreuve comme il se doit, et vous avez brillamment réussi. J'aimerais te poser une question. Quand tu as divisé Eteris en 14 fragments,
ton but était-il d'affaiblir les terres des humains pour leur permettre d'interférer plus facilement avec le dynamis? Tu as prié pour que l'humanité, bien qu'elle ait déjà été terrassée par l'apocalypse, puisse résister au désespoir. Tu étais même convaincu qu'elle en était capable. Lorsque ton souhait s'est réalisé, tu as remodelé le monde de façon à ce que ses habitants puissent un jour se rendre aux confins de l'univers, faire face au dynamis et mettre un terme à l'apocalypse. Telle était ton intention, n'est-ce pas? Tout cela aussi, c'était une épreuve pour les humains. Tant de pertes, tant de souffrances, par ma faute. Je ne mérite ni votre bonté, ni les excuses que vous me trouvez. En vérité, Zordiark était tellement puissant. Pour lui tenir tête, j'ai dû utiliser toute ma force au point d'entraîner la planète dans notre affrontement. Ce qui compte désormais, ce ne sont pas mes actions passées, mais le fait que vous ayez réussi à me surpasser. Je peux donc vous confier le destin de ce monde, ainsi que la clé pour aller le défendre. Ceci contient mes estimations du trajet de Météion, tout au long de son voyage jusqu'aux confins de l'univers. Si vous les montrez aux Loporites, qui sont rompus aux techniques de navigation spatiale, ils devraient pouvoir en extraire les coordonnées exactes de votre destination. Sommes-nous seulement capables d'atteindre un point aussi éloigné? Cela me semblait déjà incroyable d'aller sur la Lune, alors au fin fond de l'univers. Sans nous servir du dynamis comme l'a fait Météion, je ne vois pas comment nous pourrions accomplir un tel miracle. Effectivement, si l'éther est votre carburant, il vous en faudra une quantité incommensurable pour un tel voyage. Cependant, la solution à votre problème existe, et vous la connaissez même déjà. Ne me dites pas que... Et pourtant, si. Depuis que je suis devenue la volonté de la planète, je me suis efforcée de cristalliser peu à peu l'éther qui emplit ces lieux. Tous ceux qui ont hérité du pouvoir de l'écho et qui sont liés à cet espace par la pensée ont déjà eu l'occasion de l'admirer. Il se substitue d'ailleurs à moi, qui ne possède pas de forme physique, pour représenter la volonté de la planète dans leur esprit. Le cristal mère, le dernier atout de l'humanité, c'est lui qui vous emmènera aux confins de l'univers. Pour ma part, je ne peux vous aider davantage. Là où vous allez, vous ne pourrez compter que sur vous-même pour avancer au plus profond des ténèbres du désespoir. C'est pourquoi j'aimerais que vous vous souveniez bien de ceci. Quoi qu'il arrive, vous devrez toujours croire en vous. Rien ne vous interdit de garder espoir, même si l'humanité entière a déjà abdiqué. Un dernier mot, juste pour toi. Approche un peu, s'il te plaît. Jusqu'à aujourd'hui, pendant toutes ces années, je n'ai eu de cesse de chercher un moyen d'offrir un futur à cette planète. Je ne compte pas le nombre de fois où, alors que j'étais en proie au doute, les récits de tes aventures et la promesse que nous nous sommes faites
m'ont donné le courage de surmonter les difficultés. Même quand le monde changeait, tu as toujours été là pour partir à l'aventure et y accomplir ta quête. Et même dans d'autres temps, tu as toujours combattu pour protéger son avenir. Autant d'occasions pour moi d'être admirative envers les humains et de croire en vous encore plus à chaque fois. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais du fond du cœur, je voudrais te dire merci. Tu as toujours le cristal d'Azem avec toi, n'est-ce pas ? Si je devais décrire mon pouvoir, je dirais qu'il exprime la stagnation, le calme, la tranquillité. En substance, la faculté de cristalliser l'existence. Associé aux compétences d'Azem, il devrait te permettre de donner forme à l'immatériel pour l'invoquer à tes côtés. Je pense à ces âmes qui ont réagi à ta présence quand tu as pénétré dans la mer des étoiles. Peut-être pourras-tu t'en faire des alliés. N'oublie pas, le pouvoir d'Azem n'est ni plus ni moins qu'une extension de ta volonté. Il ne s'exprimera que si tu le souhaites au plus profond de toi. Lorsque le dénouement ne t'apparaîtra plus clairement, tu ne pourras compter en aucun cas sur ce bienfait pour trouver la voie. C'est ce que m'a dit Azem lorsqu'elle m'a transmis ce don. Voilà, c'était la dernière chose que j'avais à t'offrir. Je t'en prie, va maintenant et porte avec toi le fruit de la vie à travers les âges. La réponse claire et définitive de l'humanité. Fais comprendre à la chantre de l'anéantissement que notre fin n'est pas encore arrivée. Non, c'est moi. Je vous remercie tous d'être venus au monde. L'heure est venue pour mon âme de s'éteindre. Puissent mes sentiments protéger mes enfants jusqu'à la fin des temps. Ce fut quand même incroyable, quoi. Du non-stop. Thank you.
Et allons rendre la quête. Et on pourra mettre fin quand même à ce, on va dire à cet épisode qui fut riche en émotions et en révélations, quoi. C'est incroyable. Et on n'a pas encore fini l'extension, quoi. Alors... je crois que j'ai pris le chemin le plus long. Je t'ai trouvé. Ça faisait longtemps, hein. Surtout pour toi. Non, je voulais vraiment m'endormir. Mais quand j'ai fermé les yeux, que tout a commencé à disparaître. Toi aussi, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu restes ici, à observer ce qui se passe au loin. En effet. Avant d'ouvrir un nouveau chapitre, nous devons d'abord clore celui-ci. Et voilà, une quête de plus terminée. Alors moi, je vais arrêter ma session maintenant parce qu'il est quand même plus d'1h20. Et voilà. Donc on se dit à très vite pour la suite de notre aventure sur FF14.